Bien, merci. Alors nous reprenons à présent avec Arthur Gezanga, qui était déjà intervenu le 24 février dernier sur la question donc, qui portait sur Arendt et le préjugé racial. Donc tu es doctorant en philosophie politique et aussi chargé d'enseignement à l'université Grenoble. Merci. Alors aujourd'hui, je voulais aborder une question un peu plus classique qui est tout simplement celle de la définition de la liberté chez Hannah Arendt. Et parce que dans l'affrontement entre libéralisme, liberté libéraliste et liberté politique républicaine, comme on l'avait exposé, le Arendt prend clairement parti pour la liberté républicaine, puisque elle nous apporte une conception, une philosophie de l'action qui est fondée sur une conception de la liberté comme capacité à agir, comme capacité des citoyens, je dirais, à agir les uns avec les autres à l'intérieur d'un espace politique construit. Et donc, cette conception de la liberté l'amène donc à critiquer de façon assez importante un ensemble de principes fondamentaux de la démocratie moderne, à savoir notamment la conception du droit de l'homme et du citoyen, et l'État-nation, en fait, la structure politique de l'État-nation qui le soutient. Alors, cette critique des droits de l'homme, elle s'appuie avant tout sur une réflexion sur les origines du totalitarisme, qui est une constante dans la pensée d'Hannah Arendt. Au fond, on peut résumer toute la pensée d'Hannah Arendt en une recherche des causes, plus que des causes même, je dirais, des éléments qui, dans la société moderne et contemporaine, ont permis l'émergence du totalitarisme, des sociétés totalitaires. Au fond, la réflexion qui fonde toute la pensée d'Hannah Arendt est celle-ci: comment le totalitarisme a-t-il été possible? Et donc, parmi ces éléments, elle suggère plusieurs. On trouve évidemment l'antisémitisme, l'impérialisme dont j'avais parlé dans une précédente intervention. Mais parmi celles-là, on trouve également une critique du coup du déclin de l'État-nation et une critique des droits de l'homme qui s'appuie sur une affirmation que les droits de l'homme, au fond, n'ont pas réussi, ont en quelque sorte échoué dans la promesse qu'ils apportaient, puisqu'ils n'ont pas réussi à traiter dans l'entre-deux-guerres de la situation des apatrides. Et c'est un constat de l'échec des droits de l'homme, qui est donc un constat politique, qui est presque un constat quasiment empirique, si je puis dire. Puisque Hannah Arendt elle-même est une juive allemande qui a fui l'Allemagne en 1933 suite à l'arrivée au pouvoir du national-socialisme, et qui a fait elle-même l'expérience de la condition d'apatride, puisqu'elle a d'abord fui en France, où elle n'a pas été intégrée, hein. Elle a été envoyée dans un camp de concentration, dans le camp de Gurs en 1941, avec l'arrivée des troupes allemandes. Puis elle a fui ensuite aux États-Unis, où elle a passé quand même plus de 10 ans dans une situation d'apatride, et avant d'obtenir la nationalité américaine et de pouvoir enfin obtenir une citoyenneté et une carrière universitaire. Et donc cette critique est la suivante. Au fond, à la fin du XVIIIe siècle, les révolutions que sont la Révolution française et la Révolution américaine ont cherché à promouvoir une nouvelle forme de droit qui s'opposerait au droit d'ancien régime, hein, fondé sur une société d'ordre et donc un ensemble de privilèges particuliers. Et ont cherché à promouvoir un droit qui serait un droit naturel et universel, qui serait donc un droit de l'homme. L'homme, non pas en tant qu'il fait partie d'une caste sociale, hein, comme la noblesse, d'une corporation même tout simplement, hein, on rappelle dans la société d'antan, la corporation des boulangers a des privilèges qui ne sont pas les mêmes que celles des bouchers, et donc elle nous propose des droits qui seront les mêmes pour tous, et qui existeront, qui sont inaliénables et qui existeront toujours, qui seront présents de toute éternité, qui seront les droits de l'homme en tant qu'homme. Et ça se voit très clairement dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire les hommes naissent et demeurent libres et égaux, c'est-à-dire il y a bien un droit qui est un droit de naissance,
que possèdent tous les hommes, pas seulement les aristocrates. Et d'autre part, ça se voit également dans l'expression même des droits de l'homme, que les révolutionnaires n'ont pas affirmé qu'ils dotaient le peuple des droits de droits, ils ont affirmé qu'ils énonçaient un certain nombre de droits, comme si ces droits étaient évidents et existaient en soi, indépendamment d'un système étatique qui pourrait les soutenir. Et donc, la promesse des droits de l'homme, c'est celle-ci. C'est que, quelle que soit votre situation, que vous soyez un citoyen français, anglais, chinois, ou même que vous viviez dans une société tyrannique, eh bien, vous possédez toujours des droits qui sont naturels et inaliénables. Or, ce qui se passe, ce qu'affirme Arendt, c'est que cette situation ne marche pas, ne fonctionne pas, puisque, à partir des années 20, on constate qu'on a un certain nombre de phénomènes d'apatrides. Ça commence pas avec l'apparition du nazisme, ça commence par exemple avec la guerre gréco-turque, on oublie parfois un peu, mais dans lequel on a les populations grecques de Turquie qui arrivent en Grèce, qui deviennent des apatrides. Et du coup, on se constate que la privation des droits civiques s'accompagne également d'une privation des droits de l'homme. C'est-à-dire que même les sociétés mêmes, les sociétés démocratiques, qui avaient érigé les droits de l'homme comme le fondement de leur société, de leurs droits, n'ont pas réussi à traiter les apatrides comme des hommes. Et ils ont, en fond, la privation des droits civiques rend l'homme dans sa pure nudité. Au lieu d'être considéré comme un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui serait toujours dépositaire de droits, eh bien, il sort, en quelque sorte, de l'appareil politique, du dispositif politique qui aurait dû le protéger en tant qu'homme. Donc, on a cet échec vraiment palpable des droits de l'homme, et Hannah Arendt nous affirme que cet échec est dû à deux choses. D'une part, c'est l'affirmation d'un homme que les droits de l'homme défendent, une sorte d'homme abstrait, qui n'existe, pour ainsi dire, nulle part, même si les droits de l'homme se revendiquent comme les droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas un citoyen anglais, ce n'est pas un citoyen français, c'est le citoyen, dans sa pure généralité. Et ce citoyen, il n'existe pas au fond. Personne n'est jamais citoyen, malgré toutes les affirmations qu'on a pu avoir dans les années 90 sur citoyen du monde, etc. etc. Ce citoyen n'existe pas, on est toujours pris dans un ensemble social, politique, culturel. Et personne n'est juste citoyen. On est citoyen d'une cité, citoyen d'un État, citoyen d'un peuple. Et donc cette citoyenneté n'existe pas. Cette citoyenneté générale, abstraite pourrait-on dire, n'existe pas. Et l'autre élément qu'Hannah Arendt souligne, c'est que dès ses origines, ce droit de l'homme, comme au fond, c'est ce qu'on a dit dans la précédente intervention, c'est-à-dire comme au fond, il y avait des peuples, tout simplement, qui étaient encore sous un système tyrannique, ou même qui étaient réduits à l'esclavage, on a très tôt lié les droits de l'homme, le développement des droits de l'homme, avec l'émancipation nationale. Ce qui se caractérise donc tout le discours sur, tout simplement, la souveraineté qui réside dans la nation. Il y a un lien très précoce, très tôt, entre émancipation nationale, la capacité à faire nation, et la capacité à disposer de droits. Et donc l'État-nation se construit ainsi, sur l'idée que les droits de l'homme sont liés à une nation. Et ce qui se passe, c'est que donc, quand une de ces nations, finalement, va rejeter une partie de sa population, comme vont faire les nazis dans les années 30, donc détruire la nationalité, priver les juifs de leur nationalité, les juifs ne vont pas être intégrés par les autres États, ils vont se retrouver à la marge de ce système national. Ils ne vont plus pouvoir être protégés. Et Arendt souligne avec justesse, finalement, que un criminel, quelqu'un qui a commis un meurtre, qui est devenu hors la loi, est finalement plus couvert par le droit que quelqu'un qui est innocent mais apatride, parce que cette personne hors la loi est prévue par la loi. Alors que l'apatride, lui, ne fait pas partie du dispositif juridique. Il n'est même pas hors la loi, il est en dehors du champ politique. Il ne peut même plus être traité. Et c'est pour ça qu'ils ont été les premières victimes, notamment les premières victimes de la guerre.
les premières victimes, la construction de l'apatride comme figure, quelque sorte du réprouvé, fait de lui une victime avant le criminel, avant même le prisonnier de guerre, par exemple, qui pourtant, lui, est protégé par des traités, par un droit de la guerre. Et ce qui est assez ironique, au fond, quand on y réfléchit un peu, c'est que cette critique des droits de l'homme, elle s'appuie, elle a déjà été faite, au fond, et elle s'appuie sur une vision très conservatrice. D'ailleurs, Hannah Arendt ne s'en cache pas, puisqu'elle cite beaucoup Burke, qui est un grand pourfendeur des droits de l'homme, et qui, aux droits de l'homme, oppose les droits des Anglais. Un droit qui est fondé sur une existence séculaire, d'un droit communautaire, qui l'oppose à l'idée, justement, il reprend les mêmes arguments, à l'idée d'un homme abstrait qui, au fond, n'existe nulle part. Et Hannah Arendt nous dit, il y a une forme de tragique ironie à voir que finalement l'entre-deux-guerres a en quelque sorte donné raison à Burke, puisque ceux qui avaient promu les droits de l'homme n'ont pas su les défendre, n'ont pas su défendre la promesse que les droits de l'homme faisaient au monde. Et au fond, si on suit cette logique des droits de l'homme, Arendt nous dit on devrait avoir une sorte de droit à avoir des droits. L'idée, il faudrait monter un échelon, il faudrait qu'il y ait une superstructure mondiale qui garantisse à tous les hommes le droit d'avoir des droits, c'est-à-dire le droit de vivre dans un État qui les protège. Et cette situation, n'est pas possible, elle ne se concrétise pas, et elle ne fait que monter en fait une échelle, il y aura le droit d'avoir des droits, etc., etc., remonter à l'infini. C'est ce qui se traduit de façon particulièrement impressionnante dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, où là, pour le coup, le citoyen est complètement oublié, et qui nous vend une sorte de droit de l'homme universel, d'homme universel, encore plus universel que l'universel, et qui ne serait même pas qui voudrait toujours et de toute éternité, et dont on voit bien que dans toutes les situations, que ce soit au Rwanda, Cambodge ou même plus près de chez nous dans le traitement des réfugiés, ne s'applique jamais. Dès que la personne est exclue en quelque sorte, dès que l'État décide de s'emparer, d'attaquer une catégorie de population, eh bien on voit bien que les droits de l'homme sont incapables de le protéger. La situation aujourd'hui des Rohingyas en Birmanie en est, à mon avis, une des manifestations les plus récentes et les plus impressionnantes. Font pour reprendre ce que dit Hannah Arendt, les droits de l'homme ne forment pas une politique. Et comme j'avais dit, cette critique, elle est intéressante, elle est ironique, puisque qui d'autre, après Burke, l'a défendue ? Eh bien, ce sont tout simplement les nazis. Qui a défendu l'idée qu'il fallait effacer 1789 de l'histoire ? Qui a affirmé qu'il n'y avait pas de droits de l'homme, que c'était une abstraction, et que les droits de l'Allemagne étaient différents des droits de la France, et que français n'avait pas à avoir les mêmes droits que l'allemand, eh bien c'est les nazis. Or, on ne peut pas vraiment accuser Arendt de défendre la cause nazie. Je pense que ce serait assez étrange. Et donc, Arendt va en quelque sorte plus loin. Ce qu'elle fait, ce qu'elle affirme, c'est qu'au fond, les droits de l'homme se sont montrés inopérants. Ils ne fonctionnent pas parce que, on le voit, il suffit que les nazis rejettent le droit de l'homme pour que toute l'architecture des droits de l'homme s'effondre. Et donc, face à ce droit, face à cette inefficacité des droits de l'homme, Hannah Arendt, contrairement au discours d'extrême droite, ne va pas défendre une conception du droit fondée sur un droit racial, en fait, un droit, par exemple, des Français, un droit des Allemands, un droit du peuple allemand, puisque c'est ça que défendent les nazis, au fond, c'est le droit des Allemands à aller envahir les autres. Non, elle va défendre un droit des citoyens, un droit avant tout civique, qui est lié au fait que ce doit être les citoyens eux-mêmes qui doivent se constituer leur propre droit. Et cette idée est très forte parce qu'elle n'est pas du tout conservatrice. On a souvent l'impression, quand on lit Hannah Arendt, qu'elle défendrait une forme de liberté qui serait celle des anciens, pour reprendre l'opposition de Benjamin Constant, et qui serait une sorte de retour à la Grèce antique. Mais pas nécessairement. Hannah Arendt défend avant tout une conception anthropologique de la liberté.
c'est-à-dire la liberté prise comme action des hommes. Et j'insiste bien sur le pluriel, car la critique d'Hannah Arendt s'appuie sur le fait que les droits de l'homme nous défendent un homme qui serait unique, qui existerait, alors que l'homme n'existe pas. Il n'y a jamais que des hommes. Et c'est cette capacité des hommes à se rassembler, à agir ensemble et à former une communauté qui va fonder le droit, qui va fonder la capacité à créer une communauté politique, une communauté politiquement fondée. Au fond, Arendt défend l'idée que le pouvoir existe toujours en puissance dès lors qu'il y a des hommes qui se rassemblent et qui agissent entre eux. Il n'est pas toujours actif, par exemple, voilà, quand les gens n'agissent pas, quand les gens se contentent de vivre leur vie avec leurs droits privés, individuels, mais il existe toujours en puissance. Et dès lors que les hommes se rassemblent et agissent entre eux, eh bien, il se construit un espace politique dans lequel peuvent être reconnues justement une véritable puissance d'agir. Et c'est pour ça qu'Hannah Arendt, pendant toute la guerre, va défendre, par exemple, la fondation de l'État d'Israël. Elle va affirmer, si on veut agir, peser sur la scène publique, on ne peut pas se contenter de vouloir demander des droits, que les États nous apportent des droits, puisque ces droits ont échoué à nous protéger. Non, il faut que les Juifs forment une communauté politique fondée, qu'ils forment une armée, qu'ils interviennent en Europe pour libérer leurs camarades, et qu'ensuite, ils fondent un État. Un État à eux. Et c'est également la même raison qui va finalement la faire rompre avec le sionisme plus tard. Parce que dans sa conception de l'État d'Israël, Hannah Arendt n'entendait pas créer un droit des Juifs. Elle entendait promouvoir un État israélien dans lequel tous les citoyens israéliens, c'est-à-dire qu'ils soient juifs, arabes, juifs, musulmans, chrétiens, etc., puissent agir ensemble. C'est-à-dire que c'est la capacité des citoyens à se rassembler autour d'un État qui fonde cette liberté, qui va fonder ce droit. Et je crois qu'il y a un élément qui serait intéressant de souligner, c'est que dans cette approche de la liberté, dans cette approche qui est moins conservatrice qu'on peut avoir l'apparence quand on lit Hannah Arendt rapidement, il y a notamment une très forte critique de la souveraineté. Hannah Arendt procède à une critique de l'idée de souveraineté elle-même, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des rousseauistes, qu'il y aurait une volonté générale, c'est-à-dire que les hommes céderaient en quelque sorte leur liberté à quelqu'un d'autre. Alors dans un cas, par exemple, dans un contexte hobbesien, c'est vraiment on cède sa liberté à l'État, mais même dans un cadre rousseauiste où on cède sa liberté aux autres pour construire une sorte de volonté générale collective, eh bien on cède toujours en quelque sorte sa liberté. Et dans cette conception de la souveraineté, elle dénonce notamment le fait que cette liberté est taxée sur le principe de libre-arbitre, de la volonté. Car, comme le dit Rousseau, au fond, la liberté est toujours droite et elle ne peut pas se tromper. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'effectivement, quand on y réfléchit bien, la volonté ne peut jamais se tromper, elle ne peut jamais errer. Puisque si par exemple là j'affirme quelque chose, par exemple je veux m'envoler, tiens, voilà, tout simplement. On peut dire que c'est absurde, je ne suis pas capable de le faire, je n'ai pas les moyens. Mais on ne peut pas me dire que je ne le veux pas. Cette volonté, je l'ai, et c'est ce qui fait dire aux philosophes antiques qu'on peut toujours être heureux, même si on est torturé, même si on est dans le taureau de Phalaris, parce que, eh bien, il ne dépend que de moi de choisir. Que cette volonté ne puisse pas se manifester concrètement n'est pas important. L'important est que j'ai cette liberté. Dans la conception du libre arbitre comme manifestation de la volonté, eh bien, il y a toujours l'idée que je peux choisir. C'est l'opposition à qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères être pendu ou être décapité ? Je peux choisir. J'ai la liberté. Je peux le faire. Et Hannah Arendt nous affirme non. Ce n'est pas cette liberté qui compte. C'est bien la capacité d'agir. Dans ce choix simple entre deux possibilités, ces deux possibilités qui s'offrent à moi. Mais je ne suis pas en train d'agir, je fais simplement un choix. Donc je ne suis pas vraiment libre. Le seul moment où je suis libre, c'est quand je suis capable d'agir et donc, par exemple, de m'évader de ma prison et d'éviter de me faire ainsi décapiter, ou au contraire, d'intervenir, de subir l'acte.
mais je me confronte à quelqu'un d'autre, je suis dans une relation avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas dans mon fort intérieur en train de faire un choix entre deux possibilités. Et cette liberté politique, cette définition de la liberté politique, elle me semble très intéressante, car elle permet de comprendre un certain nombre de phénomènes plus ou moins modernes. On a parlé de l'esclavage, apparemment, et ce qui est très intéressant, c'est que la pensée, la définition d'Arendt de la liberté politique, de la liberté comme action politique, nous permet de, par exemple, voir en quoi l'abolition de l'esclavage a été une forme de tartufferie, puisqu'elle a soutenu très fortement, notamment la colonisation. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? C'est ce qui se passe, par exemple, dans la condition de Madagascar. C'est-à-dire que la France décide, de cœur généreux, d'aller lutter contre l'esclavage malgache, et donc de libérer les Malgaches de l'esclavage. Et donc Gallieni arrive, lance son expédition, et il accorde la liberté aux esclaves malgaches. Et juste après, il instaure un système de camps de travaux forcés pour continuer à alimenter l'économie française. Et quelle est l'analyse arendtienne de cette situation? C'est que dans le fait de donner quelque chose, de donner par exemple l'absolution, d'abolir l'esclavage, c'est toujours une situation de don dans laquelle on a un souverain qui vient apporter quelque chose aux autres, mais on n'a pas les esclaves qui se libèrent seuls et qui fondent leur propre État. Et c'est ce qui va se produire dans le phénomène décolonial, c'est que les peuples vont revendiquer la capacité d'agir par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui est très important, cette capacité au fond, cette revendication d'une liberté non plus d'être, de disposer d'un certain nombre de droits que quelqu'un nous donnerait généreusement, mais cette revendication de compter dans l'espace public, cette capacité d'agir politiquement dans la vie publique. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement encore aujourd'hui dans... parler des gilets jaunes, c'est un peu le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire tout d'un coup, il y avait des gens là qui ne formaient pas un groupe, qui n'étaient pas unis, qui agissaient chacun dans leur vie individuelle, et qui tout d'un coup, à cause d'un phénomène, tout se rassemblent, forment une sorte de communauté, de collectivité agissante, qui se met tout d'un coup à agir, revendiquer quelque chose, et qui tout d'un coup se met à avoir une forme de pouvoir et à peser dans l'espace public. Et qu'il ne s'agit pas simplement de demander des droits, d'avoir une garantie des droits par un État qui chapeauterait tout cela, mais la liberté se construit dans la capacité des citoyens à agir et de former par eux-mêmes le corps politique. Je terminerai là-dessus en affirmant donc que Arendt a une position qui est assez intéressante dans l'architecture de l'opposition entre libéralisme et liberté politique, puisqu'elle nous propose une liberté politique fondée sur la capacité à agir, et qui, si elle peut apparaître comme conservatrice à bien des égards, eh bien permet au contraire de rendre compte d'un ensemble de phénomènes sociaux et qui continuent à exister encore aujourd'hui. J'avais juste une question pour Arthur. Une question pour Arthur. Sur, je suis revenu sur l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Je voulais juste faire une précision juriste. Quelquefois, ça sert quand même, et que ça sert à restreindre l'esprit d'une façon générale, mais parfois, ça nous donne quand même des configurations qui nous permettent d'avoir des cohérences dans un raisonnement. Et moi, ce que je veux simplement savoir, c'est que quand un texte met une virgule quelque part, change un mot, ça a un sens et ça a une effectivité. Or, quelle est la définition que l'on peut donner au mot « homme » dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme? Qui peut la donner effectivement? Soit c'est un homme au sens ontologique, et à ce moment-là, il n'a eu aucune effectivité, ce terme. Et donc, la disposition, qui est une disposition majeure, n'a eu aucune effectivité. Et encore aujourd'hui, on peut se poser la question d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et ça nous incite à prendre en considération les autres dispositions majeures dont on nous rabat les oreilles tous les jours en nous disant, voyez, on est dans un état de droit. Alors, c'était ça la question un petit peu, c'était de savoir quelle définition juridique on était à même de donner
1789, c'était bien en peine, véritablement de la donner. Hein. Tu as parlé de l'exemple anglais, c'est tout à fait réel. Et ça, c'est assez significatif. Mais ça ne donne pas une définition extrêmement précise que l'on doit trouver nécessairement dans le cadre d'une disposition qui aujourd'hui est constitutionnelle. Tu comprends l'idée ? Je pense que cette critique, elle est justement au cœur de ce raisonnement sur les droits de l'homme. C'est au fond, c'est les droits de l'homme, mais quel homme ? Est-ce qu'on parle justement d'un homme ? Exactement. Et les droits de l'homme, justement, par cette espèce, parce qu'il recherchait, hein, il faut pas se le voiler, une sorte d'universalité, une volonté d'étendre la révolution et d'étendre les droits de l'homme à l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui est défendu, on le voit dans les discours, tout simplement. Là, on n'est plus dans le cadre juridique, on est dans un cadre plus idéologique. Il y a une volonté d'étendre, ça se voit dans la dissémination de la Révolution française au début, avec toutes les républiques filles qui apparaissent. Et donc, on a voulu avoir une sorte d'homme qui soit le plus large possible, d'homme qui serait l'homme avec un grand H, l'homme, tous les hommes. Et ce qu'on voit justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, il faut bien aussi, à un moment donné, conquérir cette liberté. Et là où moi je voulais aussi en venir, c'est que il ne suffit pas non plus que la Révolution française, par exemple, vienne donner la liberté à la Sicile ou à la République parthénogenèse. Il faut aussi que les Napolitains s'en saisissent. Il faut aussi que les peuples noirs, il ne suffit pas juste de donner la liberté aux esclaves noirs, il faut qu'ils forment leur propre république. C'est ce qui s'est passé notamment avec Haïti, où ils ont défendu, ils ont fait leurs propres expériences, et ils ont, d'une certaine manière, les gouvernements, notamment le gouvernement français, ne leur a pas pardonné. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on défend les droits de l'homme, mais derrière, on a bien envie d'aller, ça ne nous dérange pas, d'aller taper sur la République, une République noire qui s'est libérée toute seule. Et pour prendre des exemples plus récents, c'est parfois très impressionnant de voir les critiques de la Cour des droits de l'homme, la Cour internationale des droits de l'homme, où on a, par exemple, des gouvernements, des hommes politiques africains qui affirment très clairement « laissez-nous nous entretuer ». Après tout, c'est notre droit, c'est notre choix, c'est notre liberté, et ne venez pas nous intervenir au nom de vos droits de l'homme. Et donc il y a bien cette volonté, cette liberté de revendiquer ses propres actions, quelles qu'elles soient. Absolument. Jean Le Cap, je vous laisse.